toujours beaucoup aimé le soccer, être joueur. J'ai eu beaucoup de très bons entraîneurs qui m'ont beaucoup motivé dans mon parcours. Et donc, je voulais faire participer plus à la communauté, puis dans un différent rôle. Donc, non seulement être un athlète, mais aussi une entraîneuse pour aider les jeunes, pour les inspirer, les motiver, puis les apprendre tout ce que moi j'ai appris. J'ai été encouragée par mon entraîneuse Tanya de faire de l'entraînement. Puis c'était vraiment le fun. J'ai entraîné des petits enfants de 5 ans, 6 ans. Quand j'entraîne les jeunes, c'est vraiment beaucoup de jeux, beaucoup d'encouragement. Tu dois les parler constamment pour les garder engagés. Beaucoup de jeux, mais beaucoup aussi d'apprentissage, de savoir qu'ils sont une équipe. Éric Lemoine et Zoé Sava m'ont présenté le programme à CCAA. Et hier, j'étais très intéressée parce que je suis une nouvelle entraîneuse et je voulais avoir cette communauté à travers du Canada. Yeah, je pense que j'ai fait des bonnes connexions avec les autres entraîneurs. J'aime beaucoup entraîner, en particulier les filles, et les supporter parce que je crois à l'importance de ça. Il y a des filles qui se sentent plus confortables avec ça. Donc juste comme entraîner, si t'es comme fille, entraîner des filles aussi, parce que ça encourage beaucoup les filles. Ça m'a beaucoup encouragée aussi. Moi, je vois un manque de femmes dans le sport en général, l'entraînement, les joueuses, les arbitres. Alors, je voulais être partie de la conversation de comment augmenter le nombre de femmes dans le sport. Après avoir été entraîneuse pour 5 années, j'ai beaucoup développé mes habiletés en communication, en leadership et juste ma confiance en général, à aider les autres, supporter les autres, motiver, puis tout ça. Et j'applique les mêmes choses dans différents aspects de ma vie. Je pense que oui, les leçons que j'ai apprises en étant joueuse et en étant entraîneuse sont un peu les mêmes et se manifestent dans beaucoup de différentes parties de ma vie, surtout le leadership. Je pense que ça, c'est une grande leçon que j'ai apprise. Tout le monde, même s'il manque de confiance au début, tout le monde peut développer ses habiletés. Il va peut-être prendre du temps, de l'effort. Mais si tu veux développer tes habiletés en tant que coach, je pense que c'est très atteignable.